Salut à tous, content de vous retrouver pour ce haul improvisé, ce haul action qui n'était pas prévu. J'avais besoin ce matin de quelques petits éléments, mais vraiment très précis. Et vu qu'il était midi, il n'y avait pas grand monde, j'ai commencé à flâner un petit peu dans les rayons. Il y a eu pas mal d'arrivages. J'ai pris 2, 3, 4, 5, 6 éléments, un petit peu plus. Et en rentrant à la maison, je me suis dit, bon, bah voilà, je pense que ça peut nécessiter de faire un haul. C'est pour ça que me voilà. Je le rappelle, le décor hein, du fond va très prochainement changer. Enfin, j'espère. Mais pour le moment, ça reste comme ça. Donc c'est pour ça qu'il y a des petits trous dans le mur. Bref, je laisse en l'état. Je vous invite dès maintenant, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne, juste ici. Et comme ça, vous pourrez suivre toutes mes parutions, notamment mes petits vlogs du quotidien. Je commence avec ce rond de mousse florale qui va m'être utile, enfin, j'avais besoin de ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'y allais, c'est pour vous faire un futur DIY. Dans ce haul d'ailleurs, il y a pas mal d'éléments, parce qu'il y a deux DIY qui vont être en préparation. C'est un diamètre de 22 par 5, je vais le couper, enfin moi j'aurais pas besoin de tout ça, mais je vais le couper avec le cutter, je pense que ouais, c'est fait pour, hein. C'est la première fois que je vais utiliser ce genre de truc, voilà, on trouve vraiment, vraiment de tout là-bas. Cette petite tarte mousse florale, 82 centimes. On continue avec des dessous de table, des ronds de table, pardon. C'est pas des dessous de table. J'ai mis une nappe dernièrement et j'ai envie de rajouter ça. C'est un petit peu en matière silicone, ils sont super jolis. Hein. Vraiment très très beaux. Ils existaient également... Attends, je vous le montre quand même parce que là, vous avez rien vu. Ils étaient en doré, mais ils étaient trop flashy en doré. Ils étaient très beaux, hein. Mais trop flashy, pas pour mon intérieur. Dimension 40 cm, 100% PVC. Et ça m'a donc coûté 7 de table, 99 centimes l'unité. J'en ai pris 3. J'ai pris un kit de 3 verres à vin parce que la dernière fois que j'ai reçu du monde, j'ai galéré, j'avais pas assez de verres à vin. J'ai plein de verres pour des cocktails, pour du champagne, mais je n'avais pas de verres à vin. Et en plus, ils étaient vraiment pas chers. Je vais être honnête avec vous, hein. J'en ai besoin aussi pour un prochain DIY. Ouais. Combien m'ont coûté ces verres impérial ce kit de 3 verres, 1,92€. Franchement. J'étais donc dans cette partie vaisselle. Même si j'en ai pas besoin parce que j'ai beaucoup beaucoup de plats. J'ai craqué. Ouais, moi j'emballe hein. À chaque fois. Ils ont ça à la caisse. Quand t'as des choses fragiles, il vaut mieux. Vous voyez? Ce sont un petit peu comme des... C'est entre l'assiette, le plat, mais individuel. Tu peux mettre des portions de... Tu peux mettre des salades diverses, tu peux mettre même des pâtes. Bref, c'est adorable. Il y avait donc ces deux coloris plus un autre qui était vert. Les assiettes creuses chic, ça porte très bien son nom parce que c'est vrai que c'est très chic. C'est en faïence mat et brillant. Oui, l'intérieur est brillant, l'extérieur est mat. Très important de le préciser. C'est 20 cm si ça vous intéresse de diamètre et elle coûte 2,82€ l'unité. Je continue. Alors, c'était absolument pas prévu, hein. Pour moi c'est beaucoup trop prématuré, tout ce qui est déco de Noël, mais attendez, attendez. Ah, voilà. Je suis retombée sur les boules de Noël un petit peu fun, super mignonnettes. Avec ça, l'année dernière j'en avais pris avec des animaux un peu funky. J'ai pris celui-ci. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme animal, mais elle est tellement jolie. Il y en a plein, plein, plein. C'est celle qui me plaisait le plus, hein, forcément, si je l'ai prise. Les autres, alors, soit la boule en elle-même était belle, mais après, il y avait soit ça qui était trop rouge, enfin, les couleurs n'étaient pas terribles. Là, je trouvais que c'était l'ensemble le plus harmonieux. Elles sont vraiment mignonnes. Elles sont pas données, par contre, à l'unité. La boule de Noël figurine amusante, voilà, c'est comme ça qu'ils l'appellent, en verre, 8 cm de diamètre, 1,62€. Voilà, c'est le prix des verres, des 3 verres presque. Dans le même rayon, la petite boule à neige. En ce moment, je suis à fond boule à neige avec un cerf qui a les cornes dorées. Super mignon. Et elle existe également en beaucoup plus grand là-bas. Donc soit toute blanche, soit toute dorée. C'est très très mignon. Je peux dire, c'est vraiment une mini mini boule de neige. Boule à neige plus reine, 99 centimes. J'ai pris ceci, donc c'est carrément quand tu rentres, t'es à l'entrée. Ce sont des chauffe-plats LED, des petites bougies LED. Il y a les 4 piles qui sont à l'intérieur. J'en ai besoin, pourquoi? Bah pour un prochain DIY, voilà, il y en a 4 à l'intérieur.
pense que c'est une couleur qui est un peu chaude. Ouais, non, ils ne le mettent pas, ils ne le mettent pas. J'ai fait tomber le ticket de caisse, me revoilà. Il faudrait que je surligne en fait à chaque fois que j'ai parlé d'un élément. Ça irait plus vite. Filtre à sa pochette, vernis, blanc, neige, boule, dans les figurines, creuse, autocollant. Ah, bougie, chauffe-plat, 99 les 4. Ça va? Ceci, un compas. Et ça remonte, hein, la fois où j'en ai eu besoin. Bah, toujours, hein. Création, création. Il y a besoin d'un compas dans ce que je vais faire. Il va être trop joli. Franchement, je vous invite à me suivre et à regarder mes prochaines vidéos parce que celui-ci, il va être un petit peu... Voilà, je vous donne l'indice sur le prochain DIY. Ça pourra aller aussi bien pour un repas romantique que pour Noël, ambiance, enfin, ça sera très chic. Je le range, mais je ne vous ai pas dit. Donc, c'est un copain, tout ce qu'il y a de plus classique, qui coûte 79 centimes. J'ai failli prendre une boîte avec tout l'attirail pour 3 euros. Je me dis, ouais, je n'aurais pas utilisé, donc hop, je suis partie sur ça. Ils ont plein de LED. J'en ai pris, donc il y a 20 LED. Je cherchais les 10, moi, il y a encore plus petit, mais il n'y avait pas. En filament, c'est white warm, donc c'est un blanc chaud. Pareil, ça va venir décorer. Bah, je vous montrerai, il faut regarder. Ça va être très joli, donc bah, il y a besoin de 2 piles. Chaque année, j'en achète et c'est vrai que ça donne un rendu très mignon. Un joli décor dans la maison, je trouve. Ça coûte 99 centimes, la guirlande LED. Ce sont des sacs cadeaux. Celui-ci est très beau, regardez, c'est un joli noir. Effet serpent, je pense. Et celle-ci, donc quand tu vas faire des petits cadeaux, je trouvais qu'ils étaient très élégants comme pochette. Elles étaient très élégantes. Voilà, c'est mieux. Pochette cadeau luxe, 47 centimes. Et évidemment, il y avait beaucoup d'autres modèles. Une boîte cadeau comme ceci que j'offrirai. Forcément, je mettrai un joli cadeau. Il y avait plein de coloris également. J'aimais bien ce côté rose poudré doré. Cette boîte coûte 1,49€. J'ai pris ceci, des 3D stickers papillons. Inutile de vous dire pourquoi. Hein. Dans la partie, bien sûr, loisirs créatifs, il y a 12 pièces à chaque fois. Et ça m'a coûté 74 centimes l'unité. Et bien, c'est terminé pour ce petit haul action. J'espère que cette petite vidéo, ce petit moment passé en ma compagnie vous aura plu. Je vous fais un énorme bisou et vous dis à très vite pour des prochaines vidéos, DIY, vlog et compagnie. Voilà, je vous embrasse très fort. Salut !